Il est bon celui-là. Je vais essayer de faire quelques manipulations supplémentaires avec filtrage. Hein. Ne nous y trompons pas. Nous n'assistons actuellement ni à une représentation, ni à une improvisation. Guy Rebel et François Bell sont actuellement à la recherche de sons originaux dont ils font la patiente cueillette. Ces sons seront les éléments d'une étude à venir. Ils subiront de nombreuses métamorphoses avant de s'intégrer à une composition d'ensemble. Chaque son recueilli est isolé, identifié, classé. Il faudra pouvoir le reconnaître, le définir aussi sûrement qu'une note de la gamme, pour pouvoir le transformer, le séparer de ses scories, le rendre parfois méconnaissable, mais riche encore de tous ses caractères d'origine. Chaque son conserve une structure complexe qui compliquera la composition expérimentale de nuances infinies. Lorsqu'on parle alors d'objet sonore, ce n'est pas pur artifice de langage, ni pour nier la diversité des caractères de chaque objet ainsi isolé. C'est un objet pour lequel on ne s'interroge plus sur la cause, sur l'instrument qui l'a produit. On ne cherche pas à savoir aussi quelles sont les différentes notes qui apparaissent à l'intérieur de cet accord. On le prend comme il est, en bloc, d'une manière très globale. Et il nous intéresse parce que, pour cette espèce de profil qu'il a, qui s'ouvre comme un éventail et qui ensuite se referme. Et c'est ça qui est séduisant et intéressant et captivant d'emblée dans ce son. C'est un son qui a l'intérêt d'être mince. Pourquoi mince? Parce qu'il n'encombre pas tout le spectre audible. Ce n'est pas un son qui va du très grave à l'aigu. Il reste dans la région de l'aigu, comme une espèce de ruban. Et il a également un trajet mélodique. Il vaudra mieux en rester là d'ailleurs pour le décrire, parce que comme ça, ça nous permettra de l'utiliser dans une composition sans faire absolument aucune espèce d'hypothèse. Prêt? Alors, oui.
aucune hypothèse de départ, règles souples liées à l'écoute, comment dépasser l'invention et l'ingéniosité et prétendre à une véritable composition musicale. Au-delà du désir de surprendre, comment convaincre et séduire. Comment rendre expressive et communicable une expérience qui, redoutant toute référence traditionnelle, doit prouver à chaque instant qu'elle n'est pas un jeu gratuit au gré du caprice et de l'improvisation. Toute œuvre d'art est faite pour surprendre, mais cette musique-là n'est pas faite pour surprendre spécialement les autres musiques. Qu'est-ce que tu en dirais, Guy ? Ben, moi, je reprendrai ce que tu viens de dire en disant que même cette musique est faite pour être entendue, et tellement que elle est entendue constamment par le compositeur qui l'a fait, qui est perpétuellement le premier auditeur, puisque précisément la technique dont on se sert pour faire cette musique est celle qui consiste à écouter sans relâche les fragments que, peu à peu, petit à petit, on assemble. On travaille au studio. On ne travaille pas par l'intermédiaire des signes, on ne travaille pas abstraitement sur une partition, mais on travaille sur les sons. On assemble les sons un à un. Et c'est l'oreille, c'est l'écoute finalement, qui accepte ou refuse, continue ou remet le travail en cause.